ne fait pas 5 jours, il y a eu un accident mortel d'ailleurs qui est fait sur la, au tournant de Kabara, tout juste au rond-point de Kabara. L'accident est même mortel. Ça a été dit uniquement à la dégradation de cette route-là. Il y a des nids de poules que si le véhicule rentre là-dedans, tu ne peux pas sortir sans casser quelque chose là-dedans. C'est très très défectueux, il faut mettre 30 minutes pour rallier l'aéroport. Donc, or que la route ne se limite pas seulement à l'aéroport, la route doit continuer jusqu'à Tombouctou au centre-ville. Donc entre Kabara et le centre-ville, c'est très très difficile. C'est dans des conditions très très difficiles que les gens l'empruntent tous les matins. Cette route et tout ce qu'il y a de mieux pour le développement de la commune même de Tombouctou. Parce que quand on se réfère à toutes les plaines rizicoles, elles sont à Kabara. Quand on se réfère à tous les périmètres maraîchers, ils sont à Kabara. Quand on se réfère au quai fluvial par lequel le bateau accoste, où débarquent les passagers qui doivent aller à Tombouctou, c'est encore Kabara. Donc, pour tout, même les véhicules qui viennent de Douanza passent par Kabara pour aller à Tombouctou. Donc cette route est plus que vitale pour l'économie même de la commune urbaine de Tombouctou.